Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Bouclier. Et je remarque un truc justement, a priori à chaque fois qu'on fait la ligue, notre team est affichée à l'écran de titre. Parce que là, c'est la dernière équipe que j'ai utilisée pour faire la ligue. Vous voyez quelques Pokémon strat après tout, et des Pokémon que je n'avais pas dans le Pokédex et que j'ai enfin eu. Parce que oui, j'ai complété le Pokédex, à part un seul Pokémon, et c'est Zacian. Tout le Pokédex est rempli sinon. Il manque vraiment que Zacian quoi. J'ai vu tous les Pokémon. Évaluation de Pokédex. Encore un petit effort. Il manque que ce putain de Zacian quoi. Pokémon que je ne peux pas avoir à part si j'ai un ami qui a épée. Sauf que, quand même par hasard, tous les amis que j'ai ont bouclier. Comme par hasard. Donc il va falloir que j'attende Banque Pokémon, en fait, pour pouvoir avoir Zacian. Ou alors, une âme généreuse parmi mes viewers, mes 4-5 viewers, je sais pas, a épée. Et me propose d'échanger Zacian contre Zamazenta et de se le redonner après, hein. Je m'en fiche, je veux juste compléter le Pokédex en fait, tout simplement. Donc bon, on verra bien. La petite team que j'ai, je me suis fait 3 Pokémon strat, ceux-là, là, ils sont strat. Le Maconure Shiny, alors j'en ai parlé dans mon onglet communauté, mais ça se trouve vous ne l'avez pas vu. J'ai eu un Maconure Shiny, je l'ai chopé en raid. Et c'est un Gigamax. Bon, j'ai lancé le Master Ball, hein. J'ai pas fait du tout attention. Je me suis dit, c'est un Shiny, Gigamax, même si c'est un Pokémon de merde. Parce que niveau strat, il est pas forcément bon. Je balance le Master Ball, rien à foutre. Du coup, j'ai eu mon premier Shiny. Un Maconure rigide, avec cran. J'ai appris ces attaques-là. Je vais lui acheter une orbe flamme. Pour le... faire en sorte qu'il soit puissant quoi, parce que avec le talent cran, qu'il soit empoisonné ou en flamme, il fait mal du coup. Et en plus, j'ai appris façade. Par contre, normalement, je voulais lui apprendre pistolet point, mais a priori dans ce jeu, pistolet point n'existe plus. Donc, il n'a plus aucune capacité de priorité, enfin attaque de priorité. Même sabotage, je crois que c'est pas prioritaire. Donc bon, il est encore moins fort que dans les générations précédentes. C'est un Pokémon en fait qu'il faut jouer Gigamax, celui-là. Pour qu'il soit bon à mon avis. Donc, comme vous le voyez dans le titre, cet épisode est le dernier de Pokémon Bouclier que je fais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a vraiment plus rien à faire. La seule chose que je vais faire en plus là, c'est... faire la tour de combat à fond parce que j'ai pas mal avancé dans la tour de combat et je suis rang Master Ball. Elle était pas difficile du tout. Dès que j'ai eu Darumacho dans ma team, j'ai roulé sur tout le monde. Donc là, la team qu'on va prendre, c'est lui, lui et lui. J'aurais donné des noms hein, après tout. Pour ceux qui connaissent les noms, félicitations, vous êtes des bons. Dark Blue Moon, White Album, Lazy Diamond. Ça vient d'un manga, Jojo's Bizarre Adventure. Si vous connaissez, vous êtes des bons, comme je dis. Alors, voilà, niveau Master Ball. Mais, il faut que je continue quoi. Et ensuite, j'ai les combats duo à faire, donc on testera un coup les combats duo. Mais j'atteins un Master Ball et à ce moment-là, on a un truc encore au-dessus. C'est pas marqué, on est au max, mais on a un truc encore au-dessus. Donc bon. Moi j'aime bien la musique de Rosemary. Ouais, Rosemary 2. Après je pourrais mettre au hasard pour pas tout le temps avoir la même musique. Ouais allez, on met aléatoire. J'aime bien la musique de Rosemary, mais bon. Ah oui, ils doivent pas tenir le même objet. D'accord. Ah, je savais pas ça, vous voyez. Dans ce cas...
cas, est-ce que j'ai un autre objet? Pas mal. Ouais, pourquoi pas. Un KO en un coup, ça m'étonnerait. Les trois Pokémon que j'ai ne peuvent pas subir de KO en un coup. Enfin, à part Darumacho, et Darumacho, il a déjà le Moucharchoua. Ton Pokémon utilise du corps à corps, ça sert à rien. Ouais, non, ça sert à rien non plus. Ah. Pourquoi pas? Ça va rendre Crazy Diamond encore plus puissant. Enfin, encore plus résistant, pardon. Écoutez. Mince, la musique, pardon. La musique de Shenron aussi, elle est bonne. En fait, il y a pas mal de musique que j'aime bien dans ce jeu, ça. Alors, dans les machins en premier, toujours. Parce qu'il a demi-tour, donc si je tombe contre un Pokémon vraiment chiant, je fais demi-tour et j'envoie quelqu'un d'autre. Musique de Zacian des Amanetta. Voyez ça par exemple, le Dark Blue Moon sera un peu plus utile. En plus, il va me faire genre séisme ou tourbillon de sable, enfin, tempête de sable, pardon. Non, il boule. Ouais. J'ai bien fait de changer. Non, on va rester sur lui, on n'a rien à perdre. De toute façon, il est hyper puissant, donc il peut one-shot n'importe qui. À part s'il y a un Pokémon résistant en face. Comme lui. Donc là, on va passer au Dynamax. Et on va faire Dracomax. Que, vu que j'ai une bande au choix, il peut utiliser que l'attaque haut. Donc au combat, un peu résistant quand même. On va perdre de temps. Ah, donc il va se protéger un peu, pas grave. C'est pas grave. Il va me buter, non même pas. Enfin, c'est les derniers PV que j'ai enlevé. Ouais. Si je le one shot, en fait, l'expulse organe fait hyper mal, mais sinon. Bah ouais. Alors le facteur, qu'est-ce qu'il a pour moi? Thank you.
La deuxième musique de Zafian Zaventa. Comme j'ai dit, il n'est pas très résistant, mais il fait très mal. Ah, il a une ceinture force, peut-être. Bien joué. Mais la tempête de sable va le démonter. J'avais tout prévu. Du canon, bah on peut faire la même, mais il va peut-être me défoncer. Bah, non c'est bon, je suis plus rapide. Les Pokémon, je les joue pas assez pour être sûr de leur vitesse et de leur puissance, donc bon. Comme du canon là, je me disais il allait être plus rapide, mais bon. Ah. Le chef. La musique de Peterson. Ouais, pas mal aussi. Réduire la puissance. Mais une double efficacité, je pense pas qu'il résiste. Hein. Même s'il réduit avec la BF. Là, ça fait un peu chier. C'est un peu mon attaque. Donc les Pokémon un peu plus résistants, je les one-shotterai pas. Quoi. Genre lui. Aïe. Je vais faire cri au max pour enlever la tempête de sable. Si ça marche, parce qu'il y a une chance sur deux que ça marche pas. Si c'est pas. Des fois ça marche pas en fait, c'est ça que je sais pas. Pour ça je dis il y a une chance sur deux que ça marche pas. Et un Duraludon. Le Pokémon que je voulais pas forcément, quoique si y a un Zamazenta qui peut le gérer, c'est bon. On va partir sur un gros dégât avant de mourir. Un gros dégât garanti parce que chute de glace ça aurait été un peu plus puissant, je sais, mais pas garanti que ça touche en fait. À 85% de précision, c'est pas forcément. Voilà quoi, c'est juste là pour l'attaque Dynamax en fait.
Hop, et on y va avec le close combat. Oui, je le joue sans bouclier. Dans ma état. Il est meilleur sans bouclier. Il est plus rapide, quoi. Moins défensif, mais plus rapide. Arceus, Swarm. Ok. La pharmacie Narcisse. Yes! Ma musique favorite. Oh, si, je devrais pouvoir le défoncer. Avec du stab. J'hésitais à lancer Zamazenta en fait, simplement. Histoire de voir quel était son deuxième Pokémon, mais bon. Zamazenta étant de type combat, il m'aurait fait une attaque fait, ça aurait fait assez mal. Genre Kalinari. Franchement, cette musique, ouais, c'est définitivement ma favorite du jeu. Et derrière, il y a celle de Sheroz. Oh, forcément. Pouvoir rouler dessus. Mais c'est pour ça que je dis que franchement, j'ai pu... Dès que vous avez des bons Pokémon, la tour de combat ne peut plus rien faire. Elle peut vous troll de temps en temps. Je dis pas. Ça peut arriver de perdre. Ensuite vous revenez, vous refaites. Ça dépend vraiment du Pokémon qu'on vous envoie en face, quoi. Vraiment. Bon, j'ai perdu une ou deux fois et c'était face à Tarak parce qu'il m'a troll avec un objet. Ou deux. Que je m'attendais pas qu'il ait un objet ou une certaine attaque aussi. La musique est Eternatus. Celle-là aussi elle est bien. Elle me donne des frissons. Elle est sympa. Sans qu'elle est héroïque en fait. Ou victorieuse en tout cas surtout. Non, mais moi je trouve que c'est vraiment, comme vous voyez, un bal. Hein. Parce qu'il a toutes les attaques pratiquement super efficaces de tous les Pokémon qu'on voit, et quand c'est pas super efficace, et que c'est normal, il one-shot quand même. Genre là, vous faites un truc stabé, team class, au cas où, ça va one-shot. Tant que vous êtes pas brûlé, quoi. Ou qu'on vous baisse pas l'attaque. Et ça va mettre à grêler, du coup sa ceinture force va rien faire. C'est ça aussi la garantie de Narumacho. Il est pas mal matché. Et quand vous pouvez pas vaincre des Pokémon avec Narumacho, genre les Pokémon de type acier, acier dragon, bien sûr, Duralagon, tout comme ça, vous pouvez envoyer Zamazenta. Ou Zacian pour ceux qui l'ont. Zacian c'est encore mieux.
Juste musique. C'est la première musique des Tarnatos, non? Non, c'est la première musique qu'on a de Zacian et Zamazenta. Pardon. Sarah Crawl. Est-ce qu'ils peuvent avoir la ceinture fausse? Je crois pas. Je vais mettre le Pyromax pour avoir le soleil, pour augmenter la puissance du feu, au cas où. Non, il est résistant. C'est ce que je pensais. C'est les spéciales qui vont sur lui. Prochain tour, je vais peut-être enlever le feu alors. Parce que si je veux mettre. Ouais, je suis obligé de toute façon. C'est la pire chose, Dracofeu. Dracofeu de Tarak, il me troll tout le temps, parce qu'il est hyper rapide. C'est pour ça que je vous mets l'attaque roche d'ailleurs. On a le choix, soit vous mettez séisme, soit lame de roc. Moi je préférais mettre lame de roc pour les Pokémon comme Dracofeu. Ou Corpheus. Zamazenta va s'en occuper après. On va faire l'âme de roc, mais si je crève, c'est pas grave. Crustabri, c'est l'un des seuls Pokémon à résister à la puissance comme Seracrawl. Hein. Seracrawl et Crustabri sont assez défensifs, ils résistent bien dans les machos. Est-ce qu'ils résisteraient à Zacian? Ça, par contre, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. C'était ça que je voulais éviter, mais bon. Ah, voilà. L'homme de roc, on n'est jamais garanti que ça touche au bon. C'est pour ça que j'aime pas trop cette attaque, mais bon. On en a besoin pour lutter contre les Pokémon. Ah, c'est chiant. Ah, encore toi. C'est le premier dresseur qu'on a combattu. Mushana. Elle va résister. Comme d'hab. Mushana aussi c'est défensif donc bon. Faire préscience psycho, ok, et direct il perd quelques PV à l'orbe de vie, sérieux.
petit bâtard. Sans l'éboulement arriver. Ah, oh, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire abri après là? Ouais. Il fait trop tarder, inévitable. Bien affronter Tarak avant que ce soit infini maintenant après la Ligue Master. Je sais pas. On m'a dit qu'il y avait encore un truc à faire après. Donc bon. Augmenter les puissances des types faits. Envoyer Dark Blue Moon. J'aurais aimé séparer les noms, mais on peut écrire qu'avec 12 caractères les prénoms des Pokémon. Ce que je trouve assez con, mais bon. J'aurais pu mettre 20 caractères. Vu la place qu'il y a, ils auraient pu largement mettre 20 caractères, mais bon. Oh, j'aurais pu Dynamax, oui. Effectivement, c'est pas grave. Là, je veux Dynamax. Parce que j'aurais. Peut-être que j'aurais pas. J'aurais Dynamax, j'aurais pas One Shot. Peut-être. Là il a 85, il aurait augmenté à combien? 130? Ouais, peut-être. Envie de faire Hydromax. De toute façon, ça n'a pas Bilésion. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il résiste? La Bilésion, c'est pas du tout résistant. Comme ça, mes attaques psy et eau sont augmentées. Ah! Bon, bah. Obligé de faire une capacité super efficace.
Il fait abri mais il a qu'un PV. Une attaque Gigamax, enfin Dynamax, ça enlève un PV obligatoirement. Il va forcément perdre. Non, sérieux? Ou alors il a ceinture phare sur la tribu là. Ouais. C'est vrai qu'il était joué comme ça auparavant. Il y avait un set avec Munja. Ah ah, c'est vrai, j'avais utilisé ça. Bon, tant pis. Bon, on va y aller avec White and Bomb. De toute façon, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Il peut nous faire ombre portée, tout ça. Il n'y a pas de grand-chose. Je crois. Hein. Enfin, quand je dis il n'a pas grand-chose, si, il a beaucoup d'attaques. Mais il n'a pas grand-chose qui peut me faire vachement mal, qui peut me one-shot, quoi. Il a une attaque combat tout ou rien, sauf que tout ou rien avec un PV, ça sert à rien. La plaie croix, là, elle avait juste une chance élevée de coup critique et stabé en plus, donc c'était... Ok, mais après... Alors, il est où Tarak? Contre, je sais pas si vous ça l'a fait, mais je suis tombé contre un Hermur dans la tour de combat. Or, Hermur n'existe pas dans le jeu. Donc, est-ce qu'il existerait dans le code du jeu, du coup, et que plus tard, Pokémon Company Nintendo de ça vont nous débloquer une partie du Pokédex supplémentaire? C'est pour ça que je disais que il y a un truc qui va pas dans le fait qu'ils mettent la banque Pokémon mais qu'on n'ait pas tout le Pokédex. Oui. C'est bizarre. J'ai croisé un Hermur qui n'existe pas dans le Pokédex actuel. C'est étrange. Il va y avoir peut-être quelques Pokémon qui vont être acceptés, quoi. C'est ce que je me dis maintenant. Peut-être pas tous. Ou alors ils vont essayer de les rajouter au fur et à mesure. Pour faire perdurer le jeu. Dans ce jeu, c'est les encouragements. Il y a beaucoup de gens qui s'en moquent. Moi, j'aime bien ça. Les chants du public, tout ça. Je trouve ça énorme. Bah, il est quand Tarak? Ça fait 35 minutes que je suis dans la tour là. Enfin peut-être 30, 25, 30 minutes mais... Ah, la musique de Tarnatos. Au cas où j'ai une ceinture force. La musique elle est bizarre parce que quand vous portez un casque, elle passe d'un casque à l'autre, gauche droite, ça fait bizarre. Je peux faire grêle autant qu'elle veut. Je vais le remplacer par une tempête sable.
Je sais pas ce que ça lui apporte de faire le grêle en fait. Non, elle a pas. Parce que je connais pas mon Mortique. Après, ça se trouve, elle a une capacité qui lui permet de reprendre des points de vie quand il y a le grêle. J'ai du mal à le trouver celui-là aussi. Au final, j'ai remis la grêle. Aïe. Là, c'est, ça aurait pu être utile face à Torgamor, mais bon, tant pis. Nickel Ontario. Crazy Torgamonto. C'est dommage qu'ils aient pas mis de Dynamax aux ennemis en face. Enfin, du coup ça les rend simples. Je m'en plains pas. Mais... ça aurait pu être sympa. Ou alors faire venir les champions d'arène, vous savez. De temps en temps, combattre un champion d'arène ou deux dans le tour de combat, quoi. Ah bah enfin! Combat ultime. En plus, il y a la musique ultime. Il a le talent caché, le bâtard. Je vais pas Dynamax. Ouais, mais qui n'en a pas besoin. Ça me fait gagner quelques tours face au Dracofeu en fait, et pouvoir le one shot. Quoique, je devrais peut-être garder pour l'autre. Ouais. Ah merde, je suis con. J'ai dit Max pas tout de suite. Je garde pour le Dark Blue Moon. J'oublie toujours son nom normal. Moi, je l'appelle Branchicro, moi, à cause de son attaque. Normalement il est plus rapide que moi. Ah non. Reviens, mange pour mon attaque, moi. Tout va bien. Voilà pourquoi je voulais pas Dynamax. Parce qu'en plus, il m'aurait one shot, quand même. Allez, Dark Blue Moon. Là, le connaissant, soit il va faire Aéromax, soit Protection Max. Normal Max, ok. Bah quoi, il va me baisser ma vitesse avec ça? Un coup critique, ok. Ouais, c'est ça.
Il a quoi, il a la ceinture force? Il a résisté avec un PV quoi. Même pas. Oh le bâtard! Un petit Pitomax là. C'est pas super efficace, mais ça fait quand même mal. C'est quoi, c'est parce qu'il a lance-soleil, j'imagine. Il me reste un tour de Gigamax. Enfin, Dynamax, pardon. Que. Okay. Je vais défoncer son dernier Pokémon, à part s'il est plus rapide que moi. Exagile. Il va faire sa protection. Mais on va faire notre mieux pour le faire des dégâts. Oh, j'aurais dû faire Hydromax. Non, c'est bon, il a pas fait sa protection. Mais j'aurais dû faire une Hydromax. Je suis sous la pluie, ça aurait été stabé. Je suis trop con. Je suis trop con. J'aurais pu le one shot. Je suis sûr que j'aurais pu le one shot. Allez, le Crazy Diamond. Alors il va peut-être nous faire un bouclier royal. Mais de toute façon j'ai pas le choix. Ouais, il nous fait un bouclier royal, donc il va me baisser mon attaque. Et dans tous les cas, prochain tour il est fini. Parce que le bouclier royal n'est pas aussi puissant que dans les générations précédentes. Avant, le bouclier royal, ça baissait beaucoup la puissance d'attaque. Maintenant, ça baisse que d'un cran, je crois. Genre, deux boucliers royaux d'affilée. C'est quoi ce chat? Ce Axe qui me fout depuis le début là. Ouais, maintenant je one shot plus là. Ce Axe qui me fout plus. S'il me one shot. Putain. Non, c'est bon, ouf. Il a l'air bevillé en tout temps. Oh là 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 là. J'ai eu peur. Ruban pour mes Pokémon. Voilà. C'est ça la récompense en fait. Le ruban. Pour mes Pokémon qui ont participé. Ruban maître de Galar. Ruban maître de la tour. Et ils n'ont pas tous bien sûr. Eh ben. Ah, il peut la porter en plus. C'est marrant ça. Ça leur met quelque part ou pas? Non, on la voit pas. Oh, ça porte juste le titre, j'imagine. Eh ben voilà. Est-ce que ma carte de ligue, du coup, je l'ai à fond? Parce que je sais que j'ai 4 étoiles seulement. Putain, mais mon frangin, il a 5 étoiles. Alors faut que j'aille la refaire. Attendez. Parce que je sais pas comment il a fait. Déjà, bon, on fait ça. Mais il a pas le Pokédex à fond. Et pourtant, il a 5 étoiles. Ah voilà, il a 5 étoiles. Lui, il a combien? 5 étoiles aussi. Je comprends pas comment ils ont eu 5 étoiles. Il me faut un PC. Il me faut un PC, mais il me faut aussi la team que je pense prendre. Attendez. Les Pokémon que j'ai envie d'afficher.
Pourquoi pas le Mâconnieur, certes. Oh, quoique les Argus, pourquoi pas? Oh, je sais pas. Ça sera les Pokémon que vous aurez derrière ma page, quoi. Donc c'est pour ça que je veux pas mettre n'importe qui non plus. Hop. Voilà. C'est les Pokémon qu'il y aura derrière la page. On va regarder un peu. Qu'est-ce que j'en propose? Oh bah tiens. Un petit raid Gigamax. Non, non. Ils sont chiants avec ça. Les délais expirés, tout ça. Ça veut dire que le raid est là depuis 5 minutes au moins et les gens sont déjà partis, ils sont déjà en train de le faire en fait. Sauf qu'il est encore affiché au truc. Donc bon. Studio Kart, d'ailleurs, je pense que j'ai débloqué quelques trucs. Ça c'est pas mal, mais je préfère toujours celui-là. Effet. C'est lequel que j'ai actuellement. Celui-là. Ouais, non, il n'y a pas à dire. J'aime bien celui-là. Ouais, non, celui-là. Et niveau cadre, j'ai celui-là. Et c'est ça en nouveau. Ah non. Celui-là, c'est lui. Après ça fait vraiment doré, mais si seulement on pouvait avoir mieux. Pause. Est-ce que j'ai une nouvelle pause? J'ai... Ouais bah la pause de Tarak quoi. Ah 5 étoiles, si c'est bon j'ai. Putain ouais c'est juste que j'avais pas refait en fait. Ah, c'est celle-là que j'avais, non? Non, celle-là. Ouais. Jojo! C'est lequel que j'ai, celui-là? Ouais, bah. L'hologramme brillant bien cher. Voilà. Du coup, carte de ligue. Voilà ma carte de ligue actuelle. Et pour ceux qui le veulent. Notez ce code-là. Voilà. Tout simplement. Pour ceux qui veulent mon code, c'est le code final du jeu. Ma team, elle est faite. Je changerai peut-être de team un jour, mais je repartagerai le code, bien évidemment, dans les communautés de ma chaîne YouTube, pour ceux qui sont intéressés en tout cas. Voilà, voilà. Du coup, ça fait ça. Pokémon chromatique vu, une espèce. Total capture 226. Score au motier Ali, ouais, bon, ça je l'ai pratiquement pas fait. Curex, un de team de Curry. Ah oui, merde. Faudrait que je refasse tout Curry. Faudrait que je fasse tous les Curry, mais ça bon. Hein. Vous savez lesquels c'est de toute façon. Il y avait un autre truc que je voulais faire. Ah, de la loterie. Qu'est-ce que je peux gagner aujourd'hui? Seul chiffre.
J'ai le Poké Service, oui. Les missions sont accomplies après tout. Mission pour Pokémon Roche. Mission pour Pokémon électrique. Ah non, c'était pas Pokémon Psy. C'est vrai que je m'étais gouré. J'avais compris à la fin et j'avais la flemme de tout resélectionner en fait. Pokémon de type ténèbres. C'est dommage qu'il n'y ait pas cette musique pour le combat aussi. Les études sont disponibles. Je le ferai moi-même après ça. Toujours sympa. Maintenant, mon objectif, ça va être de créer une petite team de combat. Après tous ceux que j'ai dans ma team, là, il n'y en a que 3, peut-être 4. Je vais essayer d'incorporer ma colonie Horde pour voir. Ça fera deux types de combats quoi avec Zamazenta. Donc bon, pas top top. À tous les Pokémon. Oh là, je les ai tous envoyés. Combien ils vont recevoir? Eh ben. Ah mais je savais que je connaissais les décors du fond. C'est les décors de Poké Cube. Enfin Poké. PokéQuest, bah oui, PokéQuest 4 Pokémon. Oh, bah c'est à ça que ça fait référence, putain. Pokémon Quest sur téléphone. J'avais jamais compris. Je vous avoue, je viens de tilter seulement. C'est tout, du coup. Parce que je pense pas qu'on ait débloqué de nouveaux vêtements. Survette. Les grosses chaussures à la con, ouais non. Sac de voyage acier, pourquoi pas. Sans maintenant mon argent, je vais peut-être le dépenser dans les vêtements, hein, histoire de tout acheter. Il me reste que ça après tout. Il y a aussi les vêtements de toutes les arènes que j'avais. Au petit acier. Ça fait con quand même. Ça fait des chaussettes. Putain, ça fait des grosses chaussures quand même. Hein. Oh, bon, ça a pas changé.
Ah, je ne peux pas emporter avec ma coupe actuelle. C'est bien ce que je pensais. Gants de type acier. Carrément l'uniforme acier, quoi. Nana. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir choisir ma tenue de combat. Mettre la tenue de type acier pendant que je suis dans l'arène ou un truc du genre, en fait. Mais bon. Je vais regarder s'il y a de nouvelles coupes de cheveux, hein, parce que après la ligne, normalement, on débloque une ou deux. On n'a rien débloqué. Pas de couleur non plus, non. Allez hop. On raccourcit un peu les pointes. Voilà. On a raccourci un peu les pointes. Bon. Et ben je n'ai plus rien à faire. Et vraiment cette fois-ci. Mis à part aller aider quelques gens en ligne. Oh bah tenez, est-ce que je peux? Ça va être trop tard comme d'hab. Je comprends pas ce truc qui apparaît. J'appuie sur X, ça fait apparaître et puis bah. En fait c'est complet. Et ça a même disparu depuis le temps. Je comprends pas quand ça fait ça. La connexion qui est trop fraise ou. Allez ça va. Regardez si on a un bon petit Pokémon, un petit Gigamax que je n'ai pas encore. Les 4 oiseaux ils sont pas mal parce qu'ils donnent pas mal de bonbons en fait. C'est un event spécial Noël a priori. C'est comme ça que je fais à chaque fois en fait. Tant pis, bah tenez, on va échanger une carte avec quelqu'un, ça va être marrant. Échanger une carte servir au même qu'échanger des Pokémon aussi, je crois. On peut faire ça? Ouais, on peut faire ça. Corallion. Avoir aussi Corallion, pourquoi pas. Bah en attendant. Est-ce qu'il y a un truc que je pourrais faire? Je recherche en fait parce qu'il n'y a vraiment rien sinon. A tout fait. On peut peut-être aller battre Rosemary à Smashing. Je vais durer l'épisode, je sais. Mais c'est le dernier, faut en profiter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous ferai épée. Hein. Ça, soyez-en certains. Allez ma belle, on va terminer en beauté, sur la meilleure rivale de tous les temps, enfin sur un meilleur rival qui a le meilleur thème, et la plus mignonne aussi. Thank you.
en Goliath, on va éviter. C'est quoi qui est super efficace sur Angolia déjà? L'acier, hein. Ouais, d'accord. Remarquez, je peux très bien lui faire tacle lourd. Peut-être être plus rapide que moi par contre. Je suis pas assez lourd pour le one shot. Par contre lui. Voilà. C'est pas grave. Coucou Crotuc, oui, bah oui. Toujours. C'est dommage, j'aurais voulu vous montrer le Gigamax, Maconier Gigamax. Il est moche. Il a des gants orange et sa peau est verte. On dirait, vous savez, les langues de chat orange-pomme. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé en le voyant. C'était n'importe quoi. Ah oui, j'ai mis la veste de combat. Il peut changer d'attaque. Tellement trop gnonne. On peut la combattre une fois par jour. Ah là là. Bon. Et bah, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Ce jeu, il y en a beaucoup qui disent qu'ils l'ont pas forcément aimé ou qu'ils le comparent à d'autres jeux Pokémon et qu'il était moins bien. Perso, je me suis amusé. Je me suis grave amusé. J'ai même du mal à laisser le let's play de côté, mais ça veut pas dire que j'y jouerai pas en off, hein, que j'y jouerai pas moi-même. Ça va être marrant. Donc sur ce, je vous dis à tous, ciao Chris. Et je vous donne rendez-vous, bah, du coup, dans 4 jours, on va reprendre le rythme normal avec un épisode par jour. Et je sais pas en fait si je vais continuer à faire du Pokémon ou si je vais changer un peu. Derek. Ah, il a une Team Grail a priori. Un peu, ouais. Essayer de former un peu sa team grind. Marrant ça. Bon. Alors, je vais acheter le chat. Ouais, ouais, ouais. Allez. Salut à tous. C'est dans quel jour, comme j'ai dit, hein, je sais pas si je reprendrai un jeu Pokémon ou pas. Il y a plein de jeux Pokémon, ça je sais. Pokémon épée, j'ai dit que j'allais le faire, mais ce sera un gameplay au pif. Comme les Zelda Breath of the Wild, comme celui que vous avez eu ce midi, hein, normalement, je crois que j'en ai mis un, ou il y a 4 jours, je sais plus. En tout cas, il y en a un des deux où il y a eu un midi. Donc bon, allez, salut à tous!